présence de la même, il dit ça. Présence pour symboliser énergie, force, morale que nous venons partager avec les compatriotes haïtiens qui décident de vous mettre pour faire respecter la dignité et pour sauvegarder la souveraineté nationale. Nous disons que la dignité nous, c'est l'unité nous. Souveraineté nous, c'est grand unité nous. Nous pas perdu pour aucune raison. Nous doit grande dette nous, doit grande dette que nous gagnons parce que ça c'est nous t'es vous même ça. Alors quand on sorti pour venir bailler sur l'égalité pour là. Nous sorti dans la commune de liberté, c'est chef lieu département de l'Est d'Haïti, mais nous c'est petit Marie-Barreau car nous connaissons ferré. Et comme on comprend, et support et population côté avec les quelques parents, une raison qui passe en Haïti pour collaborer comme ça comme on dit. Moi je pensais que. Motivation ça a sorti justement à partir de indignation. C'est une façon pour yo exprimer mécontentement, yo ras-le-bol par rapport à niveau d'irrespect qui gagne entre nous face à la République dominicaine. N'a expliqué. Et type de comportement ça yo yo découlé de mauvais interlocuteurs, mauvais représentants, mauvais dirigeants que nous souvent gagnons, qui tout prêt pour recevoir dictée aveuglement dans main pendant yo a défendre intérêt. Ces dirigeants n'ont pas respecté le principe qui stipule que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Alors que c'est l'inverse qui se fait en Haïti, parce que nos dirigeants cherchent toujours de l'amitié en dehors, au mépris des intérêts supérieurs de la nation. Donc nous autres, nous pensons que nous sommes en route vers le regain de notre souveraineté nationale. Nous croyons que nous sommes en route vers le développement. D'ailleurs, la constitution en deal, même si nous n'avons pas de travail, les dirigeants n'ont pas de travail pour confirmer, nous sommes un pays essentiellement agricole. Nous avons un paquet de terre qui là, nous avons fait agriculture et pourtant, tout haïtien nous yo a bringolé à aller dans l'autre pays, surtout en République Dominicaine, et dans quel secteur il y a travail dans le secteur agricole. Donc, dans ce sens, nous croyons, avec le canal d'irrigation qui peut gagner, prise qu'a fait là, pour faire nous bien tomates. Jean-président Jovenel dit, nous allons planter tomates, nous allons. Alors, semer tomates, c'est comme ça le fait. Nous allons transporter tout. Nous avons aussi cueilli tomates. Nous allons planter bananes. Nous avons coupé bananes. Jean-président Jovenel Moïse Tadil. Pour réduire la quantité de monde qui va aller au travail dans le jardin, dans le fixe dans la République Dominicaine. Et en fait, nous avons pris la caille, nous avons travaillé pour tête pas nous, nous avons travaillé avec tête pas nous, nous avons fait comme nous, nous avons mangé dans votre. Donc, Jean-Président Jovenel te dit, et en pile, nous ne pouvons pas comprendre, je dis, nous avons terre, nous avons pour mettre de l'eau pour nous faire manger, pour nous manger dans la bouche, nous, pour nous retirer votre sur notre énergie. Alors, nous puisque je connais, nous sommes aussi candidats pour députés, comme il fait, et je dis, nous, chaque nous qui engage dans la bataille, il y a des sanctions qui sont portées. Je dis, qui ça veut dire pour vous? Est-ce qu'on accepte des sanctions ou pas pour avancer, ou dis-moi, c'est qui ça veut dire pour vous? Pas quelqu'un de sacrifice qui est trop grand pour nous faire pour payer. D'autant plus, on va considérer les sanctions au pays comme un sacrifice. Parce que, à défaut de la République Dominicaine, là, on ne peut pas être notre pays, on va voyager. On ne peut pas dire qu'on va voyager parce que il est de principe, surtout dans ce qui est lié avec le droit international public, pas qu'un peuple qui est concentré sur lui-même. On voyage pour toute raison. Tant on voyage pour faire tourisme, pour se divertir, tant on voyage pour des raisons de maladie, tant on voyage pour des raisons d'études, etc. Donc, on ne peut pas complètement relativiser la question de voyage, mais rapport entre République Dominicaine avec Haïti, pas vaut grand chose pour nous, parce que même l'on a l'étudier, on va jamais suspendre subir de discrimination. Moi même tout naturellement, on va pas mener une vie de demi-citoyen. C'est tout temps, madame non là nous avons un problème parce qu'il t'a toujours souhaité que je vive à l'étranger. Moi même là, j'ai un visa pour 25 pays, j'ai un visa chacun, même pas pour me voyager deux fois. Parce que moi, mes pays, je ne parle pas de vivre dehors parce que je ne parle pas de vie de demi-citoyen. Alors, donc, une éventuelle sanction pour finir, une éventuelle sanction de la République Dominicaine, pas vous dire rien, surtout pour un monde qui a passé 15 ans qui va jamais rentrer en République Dominicaine. Donc, parler de la République Dominicaine,
je vais aller de l'autre côté. Et surtout, là, je vais aller dans l'autre pays, ce soit mal chercher formation ou bien mal négocier pour la caille. Donc, je ne sais pas quoi grand chose que nous avons fait la République dominicaine parce que nous avons décidé de respecter les droits. Nous. Pas respecter les droits, nous, je veux dire qu'on compte l'existence. Et leur compte l'existence, nous avons dit déjà dans nos premières interventions, nous pas qu'à amis. Soit vous me compte l'existence, je ne vais pas porter tête là-haut. Donc ça veut dire aller en République dominicaine, pour moi, n'est du tout pas intéressant. Débarrasser moula. Allons, blanc, 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 Allez.
Thank you.
encore pile dans yo pour mener devant nous. Pour nous sacrifier les gens. Pour nous sacrifier les gens. Pour moi, pour faire le travail tout. Pour nous goûter tous les moments. Tous les coups de couteau. Tous les pressants de Haïti. Faut nous faire du pressant et tout. Papa! J'ai l'entrée! La belle là, tu es pas si bas. La I'm going to go.